Bon, voilà un commentaire qui est beau à voir. Quality fight. Un combat de qualité. Une frappe de qualité. Nous allons voir ça très bientôt. États-Unis d'Amérique, Massachusetts. GG, sûrement pour dire good game. Interception. Comme à chaque éjection, hors de la reine, c'est ça qui part. Ah, là, c'est chargé avec ça. Ça serait le fun de voir des smash aériens. Au moins exploiter un petit peu son personnage. Bon, là, tu l'as fait, mais un peu dans le champ. Encore ça. C'est facile. Cette fois-ci, son smash aérien a fonctionné. Mais je trouve qu'il n'utilise pas très très souvent. Il joue plus au sol. Tandis que l'autre, regardez. Tout de même. En tout cas, il move. Et Kichu, smash météor. On dirait que certaines personnes ont peur d'exploiter leur Zelda, hein? Hein, regardez, automatiquement c'est ça qui part ou ça. Jamais risqué quoi que ce soit. C'est pas comme l'autre Zelda que j'avais vu la dernière fois qui faisait subir un smash météore à un rival, je me souviens plus laquelle, là, mais en tout cas je sais que je l'ai fait passer en vidéo. Oh non, j'ai pas fait passer en vidéo, veuillez m'excuser, j'étais spectateur dans ce temps-là. Mais je me souviens plus de contre qui jouait. Le ballon. Mon voyage. Il aurait fallu que Randall bouge un petit peu plus que ça. Il jouait trop au sol. Puis tenter d'utiliser son B plus côté à chaque fois qu'il y a eu une éjection. De son adversaire, à chaque fois qu'il l'éjectait, c'était toujours une attaque spéciale qui arrivait, tout le temps. Mais jamais attaquer dans les airs. En tout cas, pour
pour celui qui jouait entraîneuse Wii Fit, c'était des frappes de qualité. Tandis que l'autre, bon, c'était moyen.